Ah, déjà un viewer? Ah ben dis donc. Bien. Alors aujourd'hui, encore un horaire pas commun. Tout ça pour tromper mon public, que personne ne puisse savoir quand je corrige les copies. Vous avez qu'à avoir la cloche et les notifications. Chat, comme disent mes élèves. Ah bah tiens, justement. Bonjour. Donc aujourd'hui, correction, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, des 6e 1. Donc pour information, pour ceux qui veulent le savoir, je mets en lien la vidéo qui vous montre comment le sujet pouvait être préparé. Donc effectivement, voilà le sujet. Et je suis toujours sur YouTube et sur Twitch en même temps. Ce qui me permet de comparer. Mais alors si j'ai bien compris, 14h20, c'est vraiment pas l'heure des Twitchers, hein. Les gens font autre chose. Bonjour Lexar. Oh, deux viewers, un like, eh ben, dis donc. 50%. Ah, trois viewers. Donc, on va corriger ces copies. Ce sera le dernier paquet Corsair sur le sujet, puisque j'ai fait mes 5-6e. On va voir si on arrive sur une classe. Et oui, alors il se trouve qu'elle était dessus. Et comme je sais que vous êtes souvent là dans les premiers, je me suis dit, je vais le faire en premier. Ou alors je le prends et je le mets au fond du paquet, exprès. Ce qui n'est pas très très gentil, mais tout le monde sait que je suis pas gentil. Donc, non, allez, on va commencer, donc on va pas attarder plus que ça. Ce soir, évidemment, je ne pourrai pas faire des copies, c'est pour ça que je les fais maintenant. Non, c'est pas de la chance, c'était fait exprès quand même. Allez. Alors, matière, leçon, matière organique, éléments constitués. Alors, par contre, c'est pas interdit de sauter des lignes, hein, parce que je suis désolé de le dire, c'est pas très agréable. 19h, l'heure de Twitch. Alors, ce soir, je pourrais pas faire un truc à 19h. Faudrait que j'essaye demain, par exemple. Demain, 19h, ou peut-être même 20h ou 21h, pour vraiment essayer plus tard. Mais ça veut dire que je corrige des copies tard, j'aime pas ça. Alors, être vivant se nourrit de débris végétaux de matière organique quand ils sont morts. Matière minérale, réseau. 6 points. Les trois régimes. Là, normalement, c'est 6 carreaux, hein, c'est pas 3 carreaux. Les régimes alimentaires sont phytophages, se nourrissent de matière minérale. Non, c'est pas ça. Zoophages se nourrissent de matière organique. Non, c'est pas ça. Omniphages se nourrissent de matière minérale et organique. Non, c'est pas ça. Oh, dommage. Bonjour. Bonjour MD, donc bienvenue à vous trois. Je sais pas si on est trois ou deux, parce que le compteur est pas terrible en fait, sur YouTube. Ah, et un spectateur sur Twitch. Donc toujours vainqueur. YouTube, mais il y a moins d'écart quand même. Alors, les producteurs primaires est le premier de la chaîne alimentaire à produire la matière organique, alors qu'un producteur secondaire a sa matière organique directement ou indirectement composée à partir de celle des producteurs primaires. Donc, il me manque un petit truc sur la matière minérale. Il me manque un petit truc sur le fait que les producteurs primaires utilisent la matière minérale. C'est important. Les végétaux verts sont à la base des réseaux alimentaires car ils nourrissent uniquement de matière minérale. Voilà. Et donc pas besoin d'autres attributs pour se nourrir. Très bien. Et la question 5, consommez pas. Oh là là, c'est sympa, c'est juste, mais qu'est-ce que c'est brouillon? Produit de la matière organique et consommé par l'homme. Produit. Très bien. 4. Non, c'est pas ça. C'est vrai. Alors, 4, 8, 10, 16, 17 et demi. C'est bien. Par contre, faites un effort sur. Alors, je disais souvent, moi j'avais des professeurs qui me disaient que la présentation ne compte pas, mais il faut imaginer que ça peut mettre votre correcteur dans de meilleures dispositions. C'est-à-dire, quand il voit un truc écrit tout compact comme ça, on a moins envie de corriger qu'un truc bien écrit et composé. Alors, on ne compte pas la présentation, mais il y a toujours cet effet, c'est un peu Pygmalion, quoi. Alors, je mets un petit message sur Twitch quand même. N'hésitez pas à vous présenter et dire pourquoi. Tac, tac, tac. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est ce que mon professeur de maths a écrit sur mon DM ce matin. Et ouais, des fois, on tape un peu à côté. Alors, se nourrissent de réseaux alimentaires, se nourrissent de lin, se nourrissent de lièvre, se nourrissent de renard, se nourrissent de. Très bien, 3 points. Ça se fait au crayon normalement. Là, ça fait. Pourquoi ils font des lignes qui dépassent? Un régime alimentaire, ça je suppose que c'est le titre.
Voilà, le fameux point bonus de présentation. Hein. Type de nourriture, régime alimentaire, c'est très bien. Pareil, vous voyez, le tableau est bon, mais ça fait bon élève, mais ça fait pas excellent élève. Question 8, zone où les cerfs sont très présents, ça c'est très bien. Grâce à la présence des loups, les cerfs fuient la forêt, ce qui est très bonne chose, car ils font plus. Alors, faut se méfier de ce mot-là. Car ils ne font plus de dégâts à la forêt, et donc les jeunes arbres se développent mieux, ils font plus de fruits, ben ça c'est très bien. 5 plus 1. Parce qu'en plus, il a parlé aux professines, il empêche les épidémies dans la forêt. Excellent, très bien, très très bonne analyse. Il y en a besoin pour pouvoir comparer avec la véritable expérience. Alors, c'est pas la véritable expérience, mais c'est avec l'expérience. Alors regardez, vous voyez, tiens, ça c'est intéressant. Il me dit que la question 10, le témoin sert à pouvoir comparer avec la véritable expérience, et quand je demande le résultat de l'expérience, il ne me compare pas avec le témoin. Alors que juste avant, il a dit que ça servait à ça. C'est dommage. Les vers de terre qui aident, hop, les décomposeurs en mettant plus de petits morceaux leurs aliments. Très bien, ça permet d'aider le développement de la matière minérale qui aide au développement de la plante, comme par exemple l'eau ou les sels minéraux. Voilà, c'est très bien. 3 points. Ça la mérite largement. Alors, déjà, le point de présentation, 1 point, plus 0,5 parce qu'il a pensé à mettre la marge sur toutes les pages. Riez pas, c'est pas le cas de tous les élèves. Alors, 5, 6, 6, 10, voilà, 5, 6, 12, 12, 13, 15, 20. Et ben voilà, bim. Ah, donc 18 et 2019. Très bien. Oui, voilà, c'est vrai que davantage est mieux que plus. Parce que du coup, il n'y a pas de confusion. Et en plus, j'ai reçu une très très bonne remarque. Mais que ça, faudra que je pense à leur dire. Parce qu'effectivement, il y a plus de loups. Je ne sais pas si c'est qu'il y en a plus ou c'est bonjour, c'est zen. Tu sais pas si c'est qu'il y a plus de loups ou qu'il y a plus de loups. Parce qu'à l'oral, à l'écrit, ça se voit pas si tu dis le S ou pas. Voilà. Vive le Maroc, mais pour de vrai cette fois. Ça veut dire que la fois d'avant, c'était pour de faux. Avec des petits cœurs et tout. Alors on va voir si elle fait honte au Maroc ou pas. Mais déjà, vu l'écriture, vous voyez, par exemple, voilà, par exemple, vous êtes correcteur. Vous avez une copie comme ça. Là, ça va, c'est ma deuxième copie, on est dans l'après-midi, je suis pas fatigué, donc voilà. Là, vous avez ça, mais imaginez, c'est le bac, vous avez 200 copies à corriger. Vous avez ça, et après une copie, vous avez ça. Même si vous ne voulez pas être influencé, il y en a quand même une que vous allez corriger plus volontiers que l'autre. Je vous laisse deviner laquelle, hein. Bon. Ça c'est bon, ta, 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 ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, 6 points. Même si c'est juste, hein. Zoophages, animaux qui mangent de la viande. Non, c'est pas de la viande, qui mangent de l'origine animale, végétale, de tout. Voilà. Non, ceux qui mangent de la viande, c'est carnivore. Rien, si t'as pas eu 14, si t'as manqué des trucs. En fait, tiens, si tu regardes bien, tu verras que c'est la question 2 qui te manque, et normalement, tu verras ce qui t'a. Ouais, mais lui, il est dans l'excellence. C'est bien, j'ai quelques élèves, j'en ai de plus en plus d'ailleurs, qui sont dans l'excellence parce qu'ils se rendent compte que s'ils fournissent le travail nécessaire, eh ben bizarrement, ça paye. Et oui, la présentation, c'est oui, c'était une bonne idée, du coup je l'ai gardé. Un producteur primaire se nourrit uniquement de matière minérale, que se nourrit de matière vivante. Alors c'est pas uniquement, se nourrit de matière vivante. Ils sont à la base car. Oh, alors, ça c'est une élève qui ne sait pas ce que c'est un végétal vert. Cycle de la matière, producteur secondaire. Consommateur, producteur. D'accord. Consommateur, non. Alors ça, c'est faux. Ah, elle a confondu les deux. Et ça, c'est faux. Alors du coup, je mets la moitié. Je mets 2,5 parce que les producteurs sont bien placés. Il y a cette erreur-là qui fait que tout le schéma est faux. Mais il y a quand même le titre et la légende. Ça fait des points. Alors, 4. 4, 5. Puisqu'il y avait une demi. Hein. 5, 8. 8, 8, 16, 14. Donc là, on va mettre quelques confusion. Peut-être une élève trop sûre d'elle. Bonjour, Lipsiche. Bonjour, Nora.
Ah ouais, du coup là, YouTube écrase Twitch. 12 viewers et un viewer de l'autre côté. Question 6. Réseau alimentaire. Légende est mangée par. Le lièvre est mangé, les cerfs. Oh là là. Oui, alors par contre, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il manque une petite flèche. Et. Alors, est-ce que pour une flèche. Si, pour une flèche. Oh, ça c'est bien. Viande d'animaux, fruits, herbes, viande d'animaux, végétaux, phytophages, zoophages, phytophages du régime alimentaire, nourriture non des animaux. En plus, on le remarque, c'est un tableau très propre. Hein. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de traits qui sont pas bien faits. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, ça fera deux cookies. Ah, on voit les gourmands quand même. Il est important de protéger les loups pour la biodiversité parce que les arbres se développent mieux. Donc, permettent un renouvellement plus rapide de la forêt. Alors, ouais. Les loups attaquent principalement, ils sont plus faciles. Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est 5 points parce qu'elle a pris tous les éléments. Mais l'autre, il y avait le petit bonus parce qu'il parlait effectivement de l'impact sur la biodiversité. Les 6e 2, c'est déjà fait. Je l'ai fait hier à midi. Parce que sinon, le soir, j'avais pas eu le temps, j'avais une conférence sur la volcanologie. On a besoin d'une expérience témoin pour montrer le changement d'une expérience à une autre. Très bien. Dommage qu'elle n'ait pas fait la suite. Et voilà, voir ici, zone où les cerfs sont très présents. Alors, ça nous fait 4, 9, 10, 13, 15 et demi. 15 et demi, 1 point, plus 0,5 pour la marge de tous les côtés. Ah non, normalement, non, non, là je suis en fibre et. Comment il s'appelle? OBS me dit qu'il n'y a aucun problème. Donc là, ça fait 16, 30, 31. Ouais, alors pour le Maroc, 31, ça va. Voilà. Parce que des fois, je les élèves qui mettent j'aime le Maroc 2 sur 20. C'est dommage quand même. Oh, on a fait un pic à 12 déjà. Oui, y a pas de soucis, les amis. Au revoir. Je sais bien que c'est une heure qui n'est pas classique, mais j'essaye un peu différents horaires. Hein, voilà. Alors, voyons voir. Évaluation. Alors, pareil, vous voyez, c'est propre, mais sauter des lignes, ça ne mange pas de pain. Éléments constitués, préparés. Alors là, c'est incomplet. Hein. On va compter qu'un point. Décomposeur qui se nourrit de débris végétaux, d'excréments ou d'autres êtres vivants quand ils sont morts. On retourne la matière minérale. Très bien. Réseau alimentaire. Chaîne alimentaire liée les unes aux autres. Régime. Ne mange que des animaux. Alors c'est mal dit, mais c'est pas grave. Des végétaux, les deux. Je vais compter juste. Un producteur primaire fabrique sa matière sans autres êtres vivants, comme besoin en utilisant pour fabriquer sa matière. Pas mal. Même bien. Les végétaux verts sont à la base des réseaux alimentaires parce que les êtres vivants, matière minérale, et n'ont pas besoin d'être vivants. C'est très bien. Cycle de la matière. Un producteur primaire, il fait ça. Un producteur secondaire, il fait ça. Le décomposeur, il fait ça. C'est pas mal. En plus, il y a un titre, par contre, attention. Aux fautes, non, c'est bien. Là, ça mérite même un petit plus d'un parce qu'elle a bien parlé de ça. Alors, bah, du coup, si elle a plus d'un là et qu'elle avait raté qu'un point, ça fait 20 sur 20. Pas mal. Alors, question 6. Le loup est mangé par le réseau alimentaire. Ah voilà, vous voyez, là elle a bien mis les deux flèches. Donc ça vaut les 3 points. Le régime alimentaire, le nom, lièvre, zoophage, phytophage, très bien. 3 points plus 1, parce que le tableau est très très fort. Oh dommage, ah bah. Zone où les cerfs sont très présents. Elle a pensé à la légende. Excellent. Bon, elle a préféré faire moins de questions, mais faire très bien ces questions. On va voir si ça paye. 5, 6. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est dommage. 9 points quand même. 9 points. Alors, ce qui a été fait est. Très bien.
Parce que quand même, elle a 9 fois, mais elle n'a pas tout fait. Ah oui, bonne remarque, Lexa. Pourquoi il dit ça? Ah, parce qu'il met les noms, d'accord. Alors, donc là, un point, plus 0,5, parce qu'il me semble qu'elle a mis la marge de partout. Alors que ça, je ne le dis pas, justement, pour faire la différence. 30,5 sur 40. Ah, ça tombe bien, ça fait un petit cookie quand même. Va falloir que je fasse le compte des cookies. À la limite, je ferai un short, où je prépare tous mes petits paquets. Ce serait marrant. Merci, Lexa. Alors, tonk tonk. Alors, une matière organique, c'est un petit microbe dans les organes. Non, pas du tout. Oh là là. Oh, elle va piquer celle-là de copie. C'est un être vivant qui décompose. Alors, évidemment, un être vivant, un décomposeur décompose. On ne peut pas utiliser un mot pour donner sa définition. Bon, vu qu'elle a dit qu'il était mort, ça va. Réseau alimentaire, réseau de plusieurs êtres vivants qui, pour survivre, ont besoin de se manger les uns aux autres. C'est un peu confus. Les végétaux verts sont à la base des réseaux alimentaires car ce sont les moins dangereux. Pas du tout. Et les plus faciles à manger. Eh oui! Et comme il y en a un peu partout. Et le désert, alors? C'est facile à trouver. Quelle imagination, quand même! Une matière hein, sur Terre naît, grandit, puis se fait piétiner et se fait décomposer. Là, je demande le cycle de la matière. D'accord. Ah oh non, mais c'est bien. On ne peut pas dire qu'elle manque d'imagination, cette élève. Pliez vos noms. Fatigant, ça. Alors. En plus, elle est sympa. Mais bon. Alors, deux. Ça fait deux. Donc, je vais y mettre cours à apprendre quand même. Celui où il y a le nom, c'est pour ça. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Bravo, 25 sur 25 au brevet, c'est bien. Alors, là, il n'y a pas de légende. Et il n'y a pas de titre. Alors, vous voyez que c'est embêtant parce que je ne sais pas qui fait quoi en fait. Est-ce que c'est mange? Est-ce que c'est manger? Pourquoi il y a ce croisement ici? Le lièvre, il mange rien? Il est important de protéger les loups car grâce à eux, les cerfs fuient certaines, oh la vache, zones peuplées de loups, ce qui fait mieux. Et plus vite pousser les arbres, feuilles, etc. Donc il y a plus de nourriture pour les insectes, très bien, et les oiseaux. Aussi, les loups attaquent plus souvent les animaux, mais c'est très bien ça. Ça mérite même le plus 1, je pense. Premier régime alimentaire, ils mangent de la viande, d'accord, n'importe quoi. Et là, distance cerf face au loup. Mais c'est pas ça que je demande, c'est nombre de loups. Donc c'est la légende à revoir. Voilà, mais il y a plein de monde sur le chat. Ah ben ça fait partie du boulot, hein. Et encore que là, je l'ai fait en plusieurs fois parce que j'en ai marre sinon. 1, 2, 3, 8 et demi. 8 et demi, 1 point, plus 0,5. Parce que malgré tout, elle a fait sa marche partout où elle a écrit. Donc ça fait 9, 10, ça fait 12 sur 40. Mais évidemment, quand on n'a pas appris son cours, c'est difficile d'espérer mieux. Bon, en fait, le problème, c'est que là, c'est des copies de 6e. Hein. Si un jour je suis au lycée, vous verrez des copies de lycée, mais là je suis en 6e. Donc des copies de 6e, même si eux ils ont l'impression que c'est des devoirs de folie, ça va, c'est pas très long. Si je passe pas sur YouTube, je dois mettre 45 minutes, 1 heure par paquet, quoi. Et si je bourre un peu, 45 minutes. Voilà, si vraiment je suis au taquet, quoi. Mais là je discute un peu avec vous, je lis les commentaires, voilà. J'explique les réponses pour que mes élèves comprennent les erreurs. Eh ah ben c'est bien. Alors, décomposant, c'est une synthèse de débris d'extrême de matière vivante, c'est 2 points. De carbone, un truc, matière organique, ouais. C'est relié, EES, zoophage, c'est nourri d'animaux, le truc. Pensez à faire des phrases quand même, hein, ça mange pas de pain. Voilà, c'est à revoir ça. C'est pas ça la définition de producteur primaire.
Alors, les producteurs secondaires, ils mangent des producteurs primaires et des producteurs secondaires. Car s'il n'y avait pas de végétaux, les herbivores meurent, ils pourraient boire que de l'eau et les carnivores ne pourraient pas manger, quand même, vont mourir. Alors, j'aurais préféré phytophage et zoophage, vous voyez. Mais l'idée là, quand même, c'est pas mal. Et la question 7, pas faite, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est ce schéma? Mange quoi ou qui? Mais dans quel sens? Le lièvre, il mange le renard? Le cerf? Il mange les végétaux ou les végétaux mangent le cerf? Et le titre? Bon, on a fait un tableau, c'est déjà pas mal, on a compté 0,5. Alors pareil, il faut dire ce que sont les colonnes et il faut mettre un titre au tableau aussi. Ah ben non, la marge, c'est pour que je puisse avoir la place d'écrire. Là, ça va, j'ai pas grand-chose à écrire. Mais... C'est important de protéger les genoux car à cause des serres, les jeunes arbres se développent mieux, permettant le renouvellement plus rapide à la forêt. On profite de ce renouveau, les jeunes arbres. Et les lois. Allez, c'est une poignée. Et là, non, elle s'est trompée de zone et a pas mis la légende. Alors, 6, 7, 8. 8 sur 20. En partie exercice 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 et demi. En partie. Ah, bah comme quoi, hein. Donc ça fait 14, 15, 15, 15, 23. Oh, c'est pas mal. Le progrès, c'est bien. Eh oui, l'analyse de documents. Alors non, en ce moment, effectivement, c'est des bacs, des... Ah, c'est pas vrai. C'est des brevets blancs. C'est pas des brevets classiques. Du coup, hop, on le fait après. Voilà. De l'analyse de documents, effectivement, et en ce moment, ce sont des brevets blancs pour s'entraîner, parce qu'il faut bien s'entraîner. Alors, là, il n'y a pas son nom, ça va. Alors, pareil, vous voyez, on parle de présentation. Je sais pas ce que vaut cette copie-là, mais quand je la vois comme ça, eh ben, je me dis, ah, ça va être peut-être plus difficile. Alors, les matières organiques sont les végétaux verts. Oui, alors, j'ai pas complètement tort non plus. Les réseaux alimentaires sont les végétaux verts et les minéraux. Non. Les animaux se nourrissent de minéraux et de végétaux et d'autres animaux. Non plus. Un producteur primaire crée ses propres matières organiques et un producteur secondaire utilise des matières d'autres espèces vivantes. Ah, ben ça, c'est très bien. Alors, il m'aurait parlé de matières minérales, il aurait eu le plus aigre en plus. Les végétaux sont à la base car ils produisent ses propres végétaux. Je pense que c'est pas ce qu'il a voulu dire. Est-ce qu'il voulait dire ses propres matières? On met 2 points. Là c'est 0 et là c'est 0. Ah voilà, j'ai pas expliqué la méthode Poueck à mes élèves de 6e. Ils n'en sont pas là encore. Et là c'est 0. Oui, c'est ça. En fait, il se trouve que pour le brevet, vous avez les maths, vous avez les choses comme ça qui comptent. Non, elle n'a pas mis la marge de l'autre côté. Bon, c'est vrai qu'il y a des copies qui sont plus rapides à corriger que d'autres aussi, hein, pour le dire. Est-ce que ça, c'est sa classe? Ouais, c'est ça. Ah, oh, il n'y a personne qui a signé son nom. Voilà. 11 à 1 sur Twitch. Bon, j'ai pas encore assez d'abonnés, sinon je ferai aussi un live TikTok, ça serait drôle. J'ai pas essayé. Ah non, non, je crois qu'il faut 500 abonnés, m'ont dit mes élèves. T'imagines les gens qui viennent sur TikTok et qui tombent sur ce live-là, ça va leur faire bizarre en fait. On va dire, elle est où la fille? Ah, ah non. Ça serait drôle. Elle est où la musique aussi? C'est vrai que je mets plus de musique parce qu'après j'ai que des problèmes de strike. Alors, nous sommes d'êtres vivants qui
Son corbeau, décomposeur de l'être vivant, mange des débris végétaux en matière de vivant. On mettra un demi, on va écrire que c'est confus. Ensemble de chaînes quoi? Alimentaires liées les unes aux autres. Là, c'est incomplet. Phytographe. Phytographote. Non, alors c'est pas ça. Hein. Phytographe qui mange des végétaux, omniphage, carniphage. Ah, qui mange des animaux. Alors, on va me compter 3 points sur 4. Il faut penser à faire des phrases. Non, 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 je vais pas mettre des points pour ceux qui n'ont pas. On va pas mettre des points pour ceux qui n'ont pas plié les noms, les pauvres. Je suis pas trop, je trouve ça plutôt une mauvaise façon de faire, d'essayer de motiver les gens en mettant des points en moins. Si je veux motiver les gens, je mets des points en plus. Oui, sinon tu vas te faire ban. Hein. On balance pas les noms, on a dit. Alors, un producteur primaire, c'est pas pour rien que je vous fais plier les noms, c'est pas pour vous les donner après. Sinon, tu dis les noms des gens, autant pas les cacher. Mange de la matière minérale, alors que le producteur primaire. Alors, voilà, pareil, t'es pas relu. Regarde ta phrase. Un producteur primaire mange de la matière minérale, alors que le producteur primaire mange de la matière organique. Donc le producteur primaire mange les deux. Je sais pas si je mets l'appréciation, puisque tu es déjà là, toi. Ça, c'est un point sur deux. Car ils mangent de la matière organique. Et alors ça explique qu'ils sont à la base des réseaux alimentaires. Ah, il y a le titre. Et la flèche veut dire quoi? Matière organique, elle n'est pas là. 2,5. Alors, 2. 1, 3, 6, 7, 8, 9 et demi. Bon, c'est mieux que d'habitude. Ouais, ça m'ennuie. Ouais. Examen en fin d'année plus contrôle continu, effectivement. Alors, nourriture des animaux. Loup carniphage, hein, forcément. Viande, renard, homme ornithage. Oh là là. Pitophage. Fruits et légumes. On dirait qu'ils vont faire leur petite course. Et le titre des colonnes aussi. Hein? Et c'est pas la question 6, c'est la question 7. Allez, soyons généreux, il n'a que ça. Là, il n'a pas fait. Est-ce qu'il y a une autre feuille? Non. Là, ça fait 2. Ben, c'est pas le travail qui t'étouffe. Hein. Allez. Matière organique, élément constitué principalement de carbone, suite à l'action des êtres vivants, peut-être appelé matière organique. Très bien. Décomposeur, être vivant qui se nourrit de végétaux verts ou d'excréments des autres, et au même moment, il manque la matière minérale. C'est bien, réseau alimentaire, ensemble de chaînes alimentaires. Voilà. Son, alors là, il lui manque, et la nourriture. Deux points, les producteurs secondaires font de la matière à partir de celle des producteurs primaires. Et les producteurs primaires. Voilà. Ouais, enfin, si c'est lui qui t'a copié, il t'a copié en corrigeant les fautes. La délation, c'est le fait de dénoncer quelqu'un. C'est une poucave, quoi. Pour parler votre langage. Les végétaux verts sont à la base des réseaux alimentaires parce que ces êtres vivants s'en nourrissent. Les êtres vivants s'en nourrissent et n'ont donc pas d'autre besoin des êtres vivants pour se nourrir. Ouh, ça c'est mal dit. Mais c'est pas mal, trois fois. Alors, ah, du coup, il a pas fait la question 5. Zone où les cerfs sont très présentés. Très bien. Alors, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 et demi. 11 et demi. Bon, c'est vrai que s'il ne fait pas une question, hein, c'est embêtant.
Alors, on a besoin d'un nain afin de savoir si on a besoin des composants ou pas beaucoup de plantes. Alors, en comparant. Là, il n'a pas compris que je parlais de façon générale. Avec les vers de terre, la plante pousse plus rapidement. Alors, par rapport à. Et là, allez. Régime alimentaire, un carnivore et un loup. Ah, lui, il a fait un tableau comme ça. Ah, ben c'est pas mal. Ouais, ça marche. Alors, il aurait mieux valu qu'il mette ça ici, par exemple. Il a mis un titre. Ouais, allez, c'est logique. Alors, 5, 6, 7, 8. 8. Voilà. 8, et là, un point pour la présentation, plus 0,5, parce qu'il a mis la marche partout. Donc ça fait 12, 20, 21 sur 40. Eh bien écoutez, honnêtement, il arrive à la moyenne, il a stressé parce qu'il n'arrivait pas à se souvenir de ce qu'il avait appris. J'ai de plus en plus d'élèves comme ça. C'est triste, hein? Ils stressent. Et là, alors voyez, par exemple, là j'ai une feuille toute seule et j'ai pas de nom. Donc je sais pas à qui elle est cette feuille. J'espère qu'à la fin, il me restera une copie où il n'y a pas le sujet à l'intérieur. Sinon, je sais pas qui c'est. Alors, on va plier le nom encore. Si je veux être sûr de faire plier le nom, il suffit que j'annonce dans mes vidéos tous ceux qui plient bien leur nom, ils ont plus un, tu vois. Bizarrement, tout le monde va plier son nom. Alors, je me demande si sur Twitch, ils me comptent pas moi-même comme spectateur, en fait. Parce que j'ai un spectateur depuis tout à l'heure. Ouais, il faudra que j'essaye ce soir, peut-être. Tard. 22h, on sait. J'ai encore un paquet de 5e à corriger. Les 5e, ils vont avoir le seum, comme disent les jeunes. Puisqu'ils vont pas avoir leur copie. Alors, matière organique. Élément constitué principalement de carbone, suite à une action d'être vivant. Très bien. Réseau alimentaire, chaîne alimentaire liée. Alors, c'est pas une. C'est des chaînes alimentaires. Allez, admettons que j'y compte le point quand même. Alors, des... Non, je peux pas. Je peux pas, parce que si tu as une chaîne alimentaire, tu peux pas la lier aux autres, tu vois. Une seule chaîne n'est pas un réseau. Même quand je veux être gentil, j'y arrive pas. Hein. Alors, des composeurs, ces êtres vivants qui se nourrissent de bruit excréments. Et quand ils sont morts, on retrouve. Il fait passer de la matière. C'est l'inverse, la matière minérale à la. À. Donc. Un point. Zoophage qui mange des animaux, qui mange des végétaux, qui mange des tout. 4. La différence entre un producteur primaire et un producteur. Ah non, et un producteur. Oh putain, vos phrases. C'est que le producteur primaire produit sa matière sans d'autres êtres vivants, comme les végétaux. Très bien. Les végétaux verts sont très importants car ils permettent de passer la matière minérale à la matière organique et ils permettent de servir de base à l'écosystème. Vous n'expliquez pas. Alors, j'explique pourquoi il a que 2 points sur 4 quand même, si jamais il voit sa copie, qu'il le comprenne. Donc la question c'est expliquer pourquoi les végétaux verts sont à la base des réseaux alimentaires. Et lui il me dit... Les végétaux verts sont très importants car ils permettent de passer la matière minérale à la matière organique et ils permettent de servir de base à l'écosystème. Et vous voyez que là, il n'y a pas d'explication, il ne justifie pas sa réponse. Juste, il reprend la question, il la recopie et tout. C'est pas une justification, ça peut pas être comptabilisé pour le total des points. Alors, les producteurs primaires... Alors, attention. À l'origine... Des flèches. Si vous faites des flèches, elles ont une signification. Vous voyez que là, je passe de matière organique à matière organique. Il est là le cycle, en fait. Je vois bien qu'il a regardé la vidéo, mais il n'a pas regardé attentivement. En fait, il faut passer de là à là, producteur primaire, et il faut passer de là à là, décomposeur. Donc celle-là, elle est fausse, celle-là, elle est fausse. Il a mis un titre, il a mis une légende. Oui, 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 ils ont toujours une épreuve de dictée, tout à fait. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 et demi. 15 et demi, bon, c'est pas mal.
C'est une belle note quand même. Alors pourquoi il a que 15,5? Parce que justement il y a ces petites confusions. Ça c'est faux. Et en plus il n'y a pas la légende. Là il n'y a pas la légende. Et le titre. C'est marrant comme des élèves qui sont sur deux. Parce que ça ne leur pose pas problème. B, bien. Ça leur pose pas problème. Eh bien, ils oublient de mettre. Ils font vite ça. Et puis ils oublient de mettre là. Des souvenirs pas trop vieux, j'espère. Moi, ça. Alors. Et là, pareil, il n'y a pas le titre. Phytophage, phytophage, omnivore. Des baies et des lièvres, des renards. Le loup mange pas de renard, hein, je suis désolé de le dire. Pousse d'arbre, et moi. Ah, il a mis là. Là où il y a une grande zone des serres. Alors, une légende. Sachez-le. Se met sur le document. Mais alors, le problème que vous avez, et ça c'est tous les élèves, et ça c'est tous les élèves que j'ai, les élèves qui sont sérieux, qui préparent leur contrôle, bon évidemment, ils ont d'excellentes notes, excellentissimes, les fameuses copies 3 étoiles, ils ont d'excellentes notes. J'ai beaucoup d'élèves qui regardent la vidéo, et ils regardent la vidéo et ils disent « c'est bon, j'ai préparé mon contrôle, ça va ». Mais comme je leur dis, si vous regardez une vidéo de quelqu'un qui fait du skateboard, vous ne savez pas faire du skateboard. C'est pas parce que vous avez regardé la vidéo, vous avez bien compris la vidéo, que vous savez faire du skateboard. Ben là, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez regardé la vidéo qu'il présente que forcément vous savez faire le contrôle. Si vous essayez pas de le faire, et c'est ce que je demande à mes élèves, mais il y en a plein qui veulent pas le faire parce qu'ils préfèrent s'amuser. Après, ils assument leur choix, tant pis pour eux. Mais si vous essayez pas de le faire, vous vous rendez pas compte si c'est difficile ou pas, et donc vous ne préparez pas bien votre contrôle. Les individus malades, c'est pour ça qu'ils sont passionnés, ils empêchent une épidémie, donc. Oula, alors vous voyez par exemple, voilà, c'est trop raccourci. Voilà un élève qui voulait pas écrire. C'est triste, mais bon. Les loups attaquent principalement les individus malades, avec un S, parce qu'ils sont plus simples à attraper et empêchent donc des épidémies de se diffuser chez leurs proies. Et donc, les cerfs mangent moins de pousses d'arbres. Mais quel rapport entre eux? Parce que ça, c'est une coordination, hein, c'est pour coordonner. Quel rapport entre ce côté-là et ce côté-là? Il n'y en a pas. Ah, alors, Lexar, c'est quoi une copie 3 étoiles? On a besoin d'une expérience parce qu'on n'a pas fait d'expérience. On ne sait pas au bout, hein, ça pousse mieux ou pas. Allez, c'est confus, mais j'y mets les points. Au bout de 30 jours, ça pousse mieux que J égale 0. Oui, mais alors, c'est vrai aussi. D'accord, la question était, quel est l'effet des vers de terre sur la croissance? C'est l'effet des vers de terre sur la croissance. Et lui, il me dit qu'au bout de J30, ça pousse mieux qu'à J0. En fait, dans les deux trucs, ça favorise. Alors, favorise les bactéries et les stimule afin de produire. En vrai, les feuilles poussent. Confus. 2 points. Plus 1 pour la recherche sur les phytohormones. Je vois qu'il a fait une recherche. Alors, 3. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12. Je vais faire un peu mieux. 1 plus 0, 5. Ce qu'il a mis, ça marche partout. Donc ça fait 16. 16, 26, 28, 29. Ah, oh, un point du cookie, dis donc. Alors il va me dire, c'est pas grave, j'aime pas le cookie. Qui redonne foi en l'humanité, ouais, tout de suite. Si vous n'avez pas le moral, regardez les vidéos de Monsieur Renoir, ça redonne foi à l'humanité. Disons que ça montre qu'on peut réussir des contrôles, alors que beaucoup de mes élèves disent « Ah, ils sont trop durs, vos contrôles !» Bah, la preuve que non. Hein. Bon, après, c'est vrai que si tu les travailles pas, ils sont difficiles. Hein, ça, c'est pas un secret. Hein. Alors, décomposeur, éléments qui nourrissent de demain. Et c'est quoi ces ratures, là? Non, ça, le décomposeur, très bien. Élément constitué principalement de la matière vivante, d'être vivant. Alors, quand vous faites des césures dans les mots sérieux, regardez-moi ça.
suite à une action d'être vivant. T. On ne fait pas une césure. Bonjour Ademix. Alors, Ademix 920, c'est qu'il y a 919 Ademix avant? Pour l'instant, je crois que c'est 40. Tout paquet confondu. Tout paquet confondu. J'ai une élève qui a eu 42, je crois. Et dans votre paquet, la meilleure note, c'est 39. Hein? J'ai pas eu 40. Hein? Il me semble pas. Je vérifie ce que j'ai déjà corrigé. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu 40. Ouais, c'est ça. Ouais. Premier, alors, sachant que le premier paquet est plus difficile que les autres, parce que ce qu'oublie de dire mes élèves, c'est que là, j'ai deux écrans. Il faudrait que je vous montre. En fait, ce qu'oublie de dire, trois écrans, parce que. Trois écrans, parce que j'ai celui pour Twitch. En fait, il se trouve que les premiers élèves qui font le contrôle, c'est plus dur, puisque eux, ils n'ont pas droit à ça, comme vidéo. Ils n'ont pas droit à la correction. Allez, je finis mes copies, après, je vous montre mon setup de déplacement. Alors, zoophage, matière organique, c'est pas ça. Végétaux, matière organique et minéral non plus. On y va. 2,5. Et il faut penser à faire des phrases. Pourtant, je vous avais dit que zoo, c'est pour celui qui mange des animaux. Phyto, c'est pour celui qui mange des végétaux. Producteurs primaires ne sont pas mangés en premier. Qui sont mangés en premier? Et qui mangent. En fait, c'est pas qu'ils sont mangés en premier dans l'échelle alimentaire. Ouais, et puis modeste avec ça. Qui mange les producteurs primaires ou secondaires? Faut penser à la matière minérale ici, c'est important. Alors, car s'il n'y aurait pas. Ouh la vache, la concordance des temps, elle pique, hein. Ah, des chiffres au hasard. Ouais, bon, c'est pas mal, 920, ça sonne bien. Car s'il n'y aurait pas de végétaux, les herbivores mourront. Et les carnivores ne pourront pas manger les herbivores. Car... C'est marrant, ça me rappelle quelque chose, cette copie, là. Pas vous? Ça me rappelle une copie, ça. Est-ce qu'ils n'étaient pas côte à côte, ces deux-là? Ouh, faut apprendre à copier, vous n'êtes pas bon. Voyons voir. Bon, sauf qu'il y en a un qui connaissait ce truc. Car il mange la matière organique. Qui est-ce qui m'a parlé des vaches qui meureront? Voilà. Voilà, c'est pas celui-là. Hein. Non plus. Alimentaire, secondaire. Ah oui! Oui, j'ai vu carnifage. Alors, car s'il n'y aurait pas des végétaux, les herbivores meurent, ils pourraient boire que de l'eau, et les carnivores ne pourront plus manger les herbivores car ils vont mourir. Car s'il n'y aurait pas de végétaux, les herbivores mourront. Ils pourront boire que de l'eau, oh là là, et les carnivores ne pourront plus manger les herbivores, car ils vont mourir. Voyons voir un peu la question d'avant. Producteurs primaires, ce sont ceux qui sont mangés en premier, exemple les plantes. Producteurs secondaires, ceux qui mangent les producteurs primaires, par exemple la poule mange le maïs. Et voyons voir ce qu'il a mis. Producteurs primaires, ceux qui sont mangés en premier, par exemple les plantes. Oula! Producteurs secondaires, ceux qui mangent les producteurs primaires. Exemple, la poule mange du maïs. Ah, ça va piquer quand même. Hein. On va vérifier sur. Alors, admettons qu'ils aient préparé leur contrôle ensemble. Admettons. Oui, parce que par exemple, il y en a un qui a fait le schéma, l'autre qui l'a pas fait. On balance pas, voilà. Alors, admettons qu'ils aient. Oh là là, ça ressemble beaucoup. On va voir aussi ce qu'ils ont écrit sur la partie exercice. Producteur secondaire, matière organique. Producteur primaire, décomposeur, matière minérale.
Titre et légende. Donc là, c'est sur 3. Et ça, c'est pas utile, c'est hors sujet. Oh, ça aussi, ça ressemble beaucoup. Oh là 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 là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouh là là là, ouh là là là, ouh là là. Ouh là là. Alors, pourquoi je dis que ça ressemble beaucoup? Regardez la question 6, on est d'accord que c'est un schéma qui est très... très très original. Et alors, il suffirait de regarder, par exemple, si l'autre n'a pas le même... Alors, attention. Surprise. Oh! Si je mets les deux côte à côte, est-ce qu'on arrive à les voir? Ouais. Ouh, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances quand même. Oh, et là? Là, il a juste mis nourriture en plus. Il n'a pas dû copier complètement. Donc, je ne vais pas me casser la tête. 1,5. Là, je mets 1 parce qu'il a fait un peu plus. Et voyons voir. Voyons voir sur la question 9. Ah, question 9, un peu plus d'originalité. Ça pue la triche quand même. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais... Car la chaîne alimentaire est corrompue, les cerfs finissent ce qui reste et ils se déplacent pour trouver la nourriture en abondance. Si les loups n'existaient pas, il y aurait trop de cerfs. Il y aurait même des cerfs dans les piscines morts de rire. Non, pas morts de rire. Et un point. Et là, je vais relire le texte. Ah, et lui, il n'a pas fait des questions. Ouais. Vive la triche aussi. Je croyais tricher, c'était haram. Comme disent mes élèves. Car sinon, on ne peut pas savoir dans la terre s'il y a des vers de terre. Non, c'est pas ça du tout. Il mange les microbes et les déchets pour infecter la plante. Oui, ça. Et le témoin. Il faut comparer par rapport au témoin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Très bonne remarque, Anemix. Effectivement, peut-être qu'il y a un petit passage de copie en loose dé là. Je pense qu'il mange les déchets. Donc la plante peut grandir normalement et fabrique la terre. Et là, c'est relire. La question, je suis dommage que l'autre n'ait pas fini de répondre. J'aurais bien aimé voir si lui aussi pensait qu'il fallait manger des excréments. Hein, ça aurait été sympa. Ouais, c'est quand même très très ressemblant. Hein, je pense qu'il va y avoir, il va y avoir une petite, petite remise, petit nettoyage de bronze. Hein. Oh, alors ça, c'est la feuille de lui. Ah, c'est pas la même chose là. Là, c'est deux. Ouais. Ouais, alors j'aurais tendance à dire que c'est la copie numéro 1 qui a copié sur la copie numéro 2, puisque la copie numéro 2, il a fait plus. Il a fait plus de questions, puis il a fait juste là, alors que l'autre a fait faux. Voilà. On a souvent tendance à dire celui qui a copié, c'est celui qui a plus d'erreurs. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un point. Alors, 10, ça fait 24 sur 40. Bon, c'est quand même pas des notes extraordinaires, hein, mais côté... de côté 24, de l'autre côté 23B. Je vais mettre un petit truc quand même. Hein? Ouais, je pense qu'il va y avoir une... MD, il a raison. Je pense qu'il va y avoir une petite confrontation, ça. Là, là, là. Alors, on va marquer sur la copie. Triche. Voir. Alors, je ne mets pas le nom en direct. Hein. Hein? Et là, on va marquer en gros. Triche. Voir. Voilà, ça, on va régler ça. On va régler ça trop. C'est pas beau. En plus, c'est marrant, c'est que. Non, mais je sais s'il est à côté ou pas. J'ai le plan de classe.
Ah ouais. Ouais, finalement, honnêtement, c'est une note de SVT sur nos scolarités, ça va pas changer leur vie. Après tout, s'ils sont aussi malhonnêtes que ça pour une note, mais pas miskin. Je commence à parler comme des élèves, c'est inquiétant. Un conducteur primaire, il apprend. Ah voilà, un producteur. Ah, lui, il va me faire rêver. Allez, voilà, lui, il va me vendre du rêve. Il faut savoir que lui, il a fini de tenir avant tout le monde. Il a dit, j'ai fini. Alors, un producteur primaire, il apprend, et un producteur secondaire, c'est ce qu'il doit faire comme un professionnel. Et qu'est-ce que vous voulez que je mette à ça? Mais bien sûr. Zéro, hein. C'est limite moins de même. Les végétaux verts sont à la base des réseaux alimentaires parce qu'ils sont vivants, les feuilles. Zéro. Et zéro. Donc on est bien d'accord qu'il n'a pas appris son cours et qu'il a essayé de faire son malin. Voilà, à vous, rien qu'à l'hébreu, c'est là. Question 8, tiens, voilà, question 8. Eh ben non, c'est pas là. Celle-là, elle ne va pas être loin de la corriger non plus. Il faut protéger les loups parce que leur race va disparaître. Zéro. Et lire l'exercice avant de répondre. Tu te rends compte, vous qui avez ça, on est d'accord? Nora? Tu as déjà vu comment tu as écrit Kessler, toi, c'est lui qui a raison. Ah ouais, non mais. Donc, il faut protéger le loup parce que la race va disparaître. Mais n'importe quoi. Sachant que c'est tout écrit dans le texte. Ah là là. Ils sont besoin d'une expérience témoin parce que c'est la terre et la plante qui croient des vers de terre. Mais on rigole aussi à ta Seigneur. Les vers de terre font pousser les plantes. Ouais. Comment le voyez-vous? Et oui, il faut comparer avec le témoin. C'est les vers de terre qui existent, qui aident, parce que c'est des détritivores. Rigoler, rigoler, ces élèves, ils vont aller en cinquième. Heureusement, il y en a un peu comme d'autres, comme les 40 moutons. Yep, c'est. Mais qu'est-ce que c'est ce tableau? Bon, lui, au moins, je sais qu'il n'a pas triché. Bonjour, bonjour. Alors, non, ils ne font pas exprès. Enfin, si, peut-être tu l'as fait un peu exprès. Bonjour, Antoine, de mon viewer de l'ombre. De la région paloise. C'est où la région paloise? J'espère que ça ne vous stresse pas. Ah, encore le même papier. Parce que c'est ça qu'on filme. Alors, omniphage et zoophage. Alors, si vous me faites une marge en plus et que vous écrivez dedans, c'est pas la peine de me faire une marge en plus. Alors, un viewer de l'ombre sur. Ah, d'accord. Un viewer de l'ombre sur Twitch ou un viewer de l'ombre sur YouTube? Parce qu'ils se font manger par les animaux, d'accord. Il y a besoin d'une expérience témoin pour témoigner qu'il n'y a pas eu forcément des vers de terre. C'est un peu confus. L'expérience avec les vers de terre ne change absolument rien. Alors, l'expérience avec les vers de terre ne change absolument rien, à part que la plante grandit plus vite. Donc, elle a changé quelque chose.
Le pire, c'est que dans leur tête, c'est assommé, ouais. Merci pour la réponse. Le pire, c'est que... Le pire, c'est que effectivement, dans sa tête, c'est clair. Donc, elle a dit que ça allait pousser plus, mais à côté. Les cerfs et les lions se font manger par les loups. C'est pas un réseau, ça. Ce n'est pas un réseau qui est égal à un schéma. Et là, elle a pas fait. Elle aime. Et là, elle a pas fait la marge. Elle a cherché. Donc elle a un point de pénétration. Elle a un point et demi en partie. Elle a 2,5 en partie court. Et elle a 2,5 en partie exercice. On fait 6 sur 40. 6 sur 40 pour un contrôle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Ben justement. On voit que les abréviations sont pas efficaces. Alors. Ah ouais, là j'ai attaqué les copies. Rassurez-moi, il reste. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Bon, on va voir. Bon, il reste 4 copies. Au bout d'une heure. Ah. Donc, il n'a pas collé les feuilles, ça va. Ouais, matière organique. Ensemble d'êtres vivants qui sont carbonisés. Alors, être organique. Alors, essayez de ne pas faire de faute quand vous copiez les mots. Ça craint. Non, en fait, c'est Kesta. Je crois. Décomposeur, l'être vivant mange des débris végétaux ou de matière d'être vivant. Bon, on ne parle pas de matière minérale. Ensemble de chaînes alimentaires, liées les unes aux autres. Donc, voilà. Phytophage qui mange des végétaux, omniphage qui mange de tout, qui mange que des aliments. Carnifage, tiens. Oh, mais ça me dit quelque chose, ça, carnifage. Je l'ai déjà vu il n'y a pas longtemps, ça, carnifage. Carnifage. Attends, j'aurais passé plus de temps à chercher dans mes copies à corriger les papiers. C'est grosse bande de tricheurs, les 6e. J'ai pas ça dans les autres classes, quand même. Carnifage. C'est ton début, il me semble. C'est pour ça que c'est important de corriger les copies en même temps. Carnifage. Oui, je l'ai, là, carnifage. Alors, voyons voir un peu ce qu'il y a sur le reste. Oh, mais matière organique écrit ensemble d'êtres vivants qui sont carbone, des composeurs qui mangent des débris végétaux et des matières mortes, et des matières vivantes mortes, des êtres vivants morts. Oh, yaïe. Ah, ça sent pas bon ça. Ensemble de chaînes liées les unes aux autres. Oh là là là. Et là, il a mis alimentaire. Producteur primaire. Ah, parce qu'il écrit producteur primaire, moi j'ai la matière minérale. Un producteur primaire mange de la matière minérale. Alors que le producteur primaire mange de la matière organique. Oh là là, c'est là les belles, celle-là. Oh là là, et deux gros copieurs tout mauvais dans la belle classe. J'espère pour eux que... Question 4, car ils mangent de la matière organique. Oh là 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 là, ça va pas voler haut là. Pom pom pom, ouais c'est ça, pom pom pom, ouais. Alors on va voir un peu le schéma. Oh, ça alors, des schémas qui se ressemblent avec la matière organique qui n'a rien à faire au milieu. On va mettre 2,5 aussi, oh là là, et la flèche, on ne sait pas ce que ça veut dire. Oh là là. Ah, lui par contre, il a pensé à mettre une légende. Se nourrit et produit. Alors, se nourrit. Non, alors ça, c'est, il ne se nourrit pas de ça. Hein. Ah si, les producteurs primaires se nourrissent de producteurs secondaires et produits de la matière organique. Le produit, si, ça va, ça c'est bon.
Du coup, là, c'est mieux. Ah ah! Non, ça semble zéro pour les tricheurs. Parce que ils ont largement de quoi. Non, c'est peut-être toi qui l'as copié. C'est clair, l'éclair est un très bon modo. Ça perd l'hypopète! Ah! Ouais, alors je sais pas qui a copié parce que lui qui t'a copié il a mis une légende alors que toi qui a été copié t'as pas mis de légende. C'est bizarre quand même. La nourriture des animaux. Oh, des animaux et des animaux. Loup, cartifage. Ouais, avec les deux points. Hein, avec... Oh, ça s'en fait bon parce que sinon les exercices c'est les mêmes réponses. Ah oui, mais sauf que là il y avait qu'une feuille et en fait lui il a fait le reste et toi t'as pas fait le reste. Ça sent le gros mot avec écrit triche. Alors, parce que les loups mangent les sangliers et les sangliers, quoi tu la forêt ? Ça c'est hors sujet, donc c'est zéro. Parce que sinon on l'aurait jamais su. Mais qu'est-ce que c'est cette réponse ? Je me souviens même plus de la question. Ça c'est bon parce qu'il n'y a pas la légende quand même. Ouais, ou le corps, ouais, peut-être Phantos Hub, il a raison, un petit contrôle de rattrapage en 12D, là, avec un autre sujet pour voir un peu ce que ça vaut. Le même sujet, mais on modifie les questions, hein, pour dire. Hein. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça. Faudrait que je lance un post sur ma chaîne là, YouTube. J'ai attrapé des tricheurs, que pensez-vous? Note divisée par 2, 0 chacun. Oh. Et oui, carnifage. Ouais, non, mais alors, c'est bien, c'est pas de défendre les potes, hein, mais vu que l'autre il est pas là pour se défendre, ça va pas compter. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. On va régler ça quand je serai avec vous. Ouais, alors j'ai le choix entre 0 à chacun. Après tout, je sais pas qui a triché sur qui, je m'en fous en plus. Parce que honnêtement, s'il a réussi à tricher, c'est qu'on l'a un peu aidé. Hein. Donc, c'est très facile de se tourner, de ne pas donner les réponses. D'ailleurs, moi, de temps en temps, je donne des mauvaises réponses. Oui, mais c'est parce qu'ils sont dans la même classe, en fait. C'est pour ça qu'ils sont couillons. Non, mais après, j'ai des élèves qui ont les mêmes réponses parce qu'ils préparent leur contrôle ensemble. Non, mais on va régler ça quand on sera en classe. Parce que sinon, on n'aurait jamais su, donc ça marche bien, on n'aurait pas de réponse. Le verre de terre transformateur en matière minérale, donc ça va mieux. Et ça grandit mieux. Ouais, alors mieux que. Mieux que quoi? T'imagines, s'il y a les parents qui tombent sur la vidéo, ça craint quand même. Peut-être que c'est les verres de terre qui sont en l'eau. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Alors, 1, 2. 3, 4. 4. Et pour la partie des 1, alors 6, 7. 7, 7, 11. Ouais, mais après la note n'est pas la même non plus. Hein. 15, 16. Bon, ça vaut le temps quand même. Hein. game over, try again, ouais. Donc effectivement, ça sera réglé en classe. Je vais le marquer quand même. Pour pas oublier, je vais le marquer en gros. Triche, tu vois, je passe pas. Voilà. Et je vous passe cette copie-là. Et lui, c'est quoi son nom? Non, parce qu'il me tue. Oh. Ce qui me tue, c'est pourquoi tricher
pourquoi tricher alors qu'on peut préparer le contrôle? La vidéo est sur YouTube, on passe une heure à le préparer ensemble. Mais qu'est-ce que vous allez voir de... Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez tricher? Vous avez tout ce qu'il faut pour le préparer. Ouais, bon d'accord, après c'est vrai que... Il y en a pour qui apparemment c'est difficile. Les trois régimes alimentaires, le prédateur, cerf ou lièvre, sont des mammifères, d'accord, bien sûr que non. Le tableau des trois régimes, cerf, lièvre, mouton ou non. Pour la nourriture, pour chasser, etc., non. Pour voir la différence avec les vers de terre et sable, très bien. Les vers de terre mangent la terre et les feuilles à pousser. Ouais. Non, pas du tout. Là, un point, parce que c'est pas exactement là, c'est ici ou ici, et il manque la légende. Voilà, donc 3, 4, 4. Et là, le haut est là. Eh ben, d'accord. Admettons que tu n'as pas triché. Voilà. Mais, n'empêche qu'il va quand même falloir régler ça, tu ne peux pas laisser deux copies comme ça. Oui, j'ai pas de preuve que c'est lui, j'ai pas de preuve que c'est pas lui. Donc, le débat est clos, c'est réglé, on réglera ça en classe. Avec peut-être, là-dessus, on t'en suit la raison. Oui, voilà. Alors, c'est marrant, on te, que tu en parles, j'arrive pas à dire. C'est marrant. Que tu en parles parce qu'il y a quand même des élèves qui m'ont dit, monsieur, qui ont préparé le 5e, et qui m'ont dit, monsieur, mais est-ce que ça sera bien le même sujet? Ce manque de confiance, en fait. Je leur fais préparer le sujet, et il y en a certains qui pensaient que j'allais en donner un autre. Non, t'as pas eu une meilleure note que l'autre, c'est justement pour ça que t'as accusé. Enfin, t'es pas accusé d'ailleurs. Eh ben, on verra ça en classe. Si vous en parlez encore, je vous coupe tous les deux, c'est réglé. On verra ça en classe. Ça peut se régler comme classe. Ça ne se règle pas sur Internet. D'abord, pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai rien qui se règle sur Internet. Alors, non, loup, cerf, lièvre, nourriture, cerf, lièvre, végétaux. Végétaux, de quoi? Pousse une arbre, pousse une tremblée. Un point, parce qu'en plus, il manque le titre. Non, un point et demi, parce que quand même, essayer de mettre un titre au coin. Ça, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de légende. C'est marrant, encore un schéma, je ne sais pas ce que vous avez avec le losage, hein, mais c'est bizarre. Hein. Non, mais ça, c'est 0,5 sur 3, hein, c'est pas 1, il ne faut pas exagérer non plus. Producteur secondaire, réseau alimentaire, confus, notre bruit. Et là, c'est pas bon. Et il n'y a pas de légende. Alors, 1. 2, 3, 4. Eh bien, ça ne va pas chercher. 0, 1, 0, 2, et voilà. Il n'a pas voulu faire, il n'a pas voulu faire. Alors, Hey, ça prend du temps, mais on rigole. Allez, combien il me reste? Deux copies. Et voilà, regardez, elles ont copié aussi. Elles ont copié le motif. Bon, j'espère qu'il n'y a que ça. Alors, loup, cerf, végétaux, fruits, herbes. Alors, pareil, titre et légende. Il y a besoin d'un expériment, c'est passé au début, c'est mal dit. Et incomplet. Zoophage, détritivore, donc herbivore. D'accord, on a fait toutes les questions dans l'ordre. Non, roi d'un cerviel, ça c'est bon, donc tu as un lièvre, végétaux, fluide, cerviel, très bien, et comme ça, il manque le titre. Le problème. La plante grossit sous l'effet des vers de terre. Comment? Heureusement qu'en classe, on a dit qu'il faut comparer à l'expérience témoin. Heureusement qu'on l'a fait quand même.
Hop. Serre. Allez, deux pots. Et là, vous voyez, d'accord. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 5, 6, et 6, 7, 8. 8, ça fait 1, 2, 0, 5. Et en partie courte, ça fait 0, 0, 0, 5. Alors, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est ça. Donc ça, ça fait 9, ça fait 10. 10 sur 40. Ouais, est-ce que je vais avoir une dernière copie de copieur? Mais, vous voyez, quand je vous dis de ne pas montrer votre copie à vos voisins, parce que c'est que des problèmes. On est d'accord que tu aurais tourné ta feuille et tu ne l'aurais pas montré, tu n'aurais pas eu de problème. Voilà. Parce qu'en plus, généralement, ceux qui vous demandent de copier, je ne dis pas que c'est lui ou que c'est toi, mais généralement, ceux qui demandent de copier, ils ne le font pas bien. Donc ça se voit. Tu as vu que ça se voit quand même, hein? J'espère au moins que tu auras pu profiter de ce live pour te rendre compte que quand quelqu'un te copie, ça se voit qu'il te copie. J'ai pas besoin de vous. Bon, je vous avais un peu vu. J'ai pas besoin de vous voir en direct que vous copiez. Ça se voit après. Alors, 86. Renard, mange, végétaux, les fruits. Et le reste? Ça, c'est 0,5. Voilà. Donc, ne vous laissez pas copier. Il n'y a que vous qui aurez les ennuis. Professionnellement, on ne saura pas la croissance de la plante. Alors, pareil. Mabille. Incomplet. Alors, le loup mange le cerf. Le cerf mange le lièvre. Le lièvre mange le renard. Ah, le lièvre. Là, honnêtement, là, c'est quand même costaud ça. Le cerf. Il n'y a pas le titre, il n'y a pas la légende, c'est faux. Alors, loup, régime alimentaire, nourriture, régime alimentaire, nourriture. Alors, peut-être que régime alimentaire, on aurait pu le mettre ici, et que nourriture, on aurait pu le mettre ici. Et le renard. Ah, et ben voilà. Voilà, vous comprenez pourquoi mon élève 89 croit qu'il est un génie. Alors, 1, 2 et 2. Mais je lance la question, qu'est-ce que je fais comme mes élèves, ça me demande. Je sais plus quoi faire. C'est désespérant, des fois. Oui, ben à la limite, il vaut mieux se faire traiter un peu de radin et pas avoir d'amiante, parce que là, honnêtement, ça va se finir avec un mot dans le carnet, téléphone aux parents en disant que tricher, c'est pas bien. Quoi. Et que j'espère qu'ils n'ont pas été élevés à tricher comme ça, parce que c'est pas très honnête. Voilà, donc réfléchissez aux conséquences de vos actes. Se fait traiter de radin, il a qu'à apprendre sa leçon. Bon, là, vous lui filez des réponses aux fautes. Moi, passer le temps, je faisais ça quand on me... Non, on n'est pas beaucoup parce que c'est 15h30. Quoi. 15h30, c'est pas une habitude, une horaire de live d'habitude. Mais comme ce soir, je suis invité et que du coup, je ne pourrais pas faire ma live ce soir. Ouais, c'est ça. MD, il a tout à fait raison. Voilà, bon, ben, merci de m'avoir accompagné pendant 1h14. Hein. Et ça fait 114 playback. Je suis sûr que c'est une vidéo qui va faire le buzz parce qu'il y a des tricheurs dedans. Ah ouais, ça serait marrant. Je devrais changer le titre. Je chope un tricheur en live. Non, d'ailleurs, je chope 4 tricheurs en live. Parce qu'il y en a 2 d'un côté, 2 de l'autre. Donc la conclusion de cette vidéo sera ne laissez pas les gens tricher sur vous. Après, vous passez pour des tricheurs aussi. Et ne croyez pas que ça se voit pas. Ça se voit. Les gens qui trichent sont mauvais. Et comme ils sont mauvais, ils ne savent pas tricher. Ah, j'avais dit que je vous montrerais mon setup. Alors, comment je vais faire pour montrer mon setup sans tout défaire? Oh la vache. Moi, je vais défaire là. Ouais, ça tourne mal. Ah ouais, ça va pas mal. Alors, pour mon setup.
Parce que là, je suis pas chez moi, je suis dans une maison qui a la fibre et moi, j'ai toujours pas la fibre. Alors, comment on s'éteint? Ah, elle s'est éteinte! Sale bête, heureusement, il y a encore le son. Allez, je reviens en route la caméra. Ouais, il faut que je mette la caméra en arrière. Alors, pour mon setup, donc j'ai un ordinateur portable avec un téléphone qui me permet de lire ce qui se passe sur Twitch. Je suis Twitch sur le téléphone et bonjour. Et j'ai là, j'ai les commentaires. Et juste à côté, voilà, j'ai mon petit écran ici. C'est un écran USB avec une sortie HDMI. Voilà. Et du coup, là, j'ai une boîte qui me permet de transporter tout le matériel. Et voilà, la boîte. Et en fait, là, j'ai la commande de la caméra. Et cette caméra, elle est branchée sur... Alors, est-ce qu'on peut le voir? Elle est branchée sur un truc extraordinaire. Sur le... Ah, je ne vais pas y arriver. Sur, ils appellent ça le pied magique. Voilà, ça ressemble à... Ah, on ne voit pas bien. Bon, on va pas arriver à toi. Parce qu'il est accroché dessus. C'est un truc qui peut s'accrocher. Et comme ça, je peux l'accrocher directement au bord de la boîte. Voilà. Bon, ben, vous voyez, setup avec le petit écran mobile à 30 euros. Mais ça fait un écran secondaire qui est quand même pas mal pour les lives. Parce que ça me permet d'avoir OBS ici. Et d'avoir YouTube ici et Twitch là. Bon, le problème, quand je vais avoir... si un jour j'ai TikTok, il faudra trois écrans, il faudra que j'en trouve un autre comme ça, mais j'ai qu'une sortie sur là, où je mettrai une sortie USB-C. Bon, on n'en est pas encore là, on revient sur toujours la même conclusion. Ne trichez pas parce que vous allez vous faire choper, et du coup, ça tourne mal. Merci de m'avoir accompagné pour ce petit live. N'hésitez pas à partager, ça peut faire marrer le monde. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Le prochain paquet de copies à corriger sera un paquet de cinquième. Et ça sera la première fois qu'il y aura une correction de cinquième sur ce sujet. Puisque c'est un sujet que j'ai fait exprès pour cette année. Allez, au revoir et à bientôt. Et du coup, pour arrêter le stream, il suffit d'aller ici.